Dieu vous bénisse. C'est vrai, c'est un cantique que longtemps n'a pas chanté. C'est le temps pour les enfants de Dieu de savoir quelles décisions ils doivent prendre. Vous, dont l'âme est partagée, entre le monde et la foi. Vous qui ne savez pas que choisir, le temps est venu. Le temps est venu de sanctifier une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ, de faire un choix, le vrai choix. Car lui dit, je suis homme et doux de cœur. C'est parce qu'il est écrit dans Matthieu 11, vous qui vous chargez fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai, on a chanté de très beaux cantiques. Des gens ont expérimenté les chants qu'ils ont chantés. Moi, il y a un chant que depuis un certain temps, j'ai commencé à chanter. C'est que si le chant, beaucoup ne savent pas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que même ça est ici, je n'ai pas encore vu ça. Je ne sais pas si c'est encore ici. Je regarde d'abord hein, si ça y est ici ou pas. Voilà, bon. C'est un très vieux chant. Ah, si. Il est là, je crois. Je crois qu'il est là. Je vais vérifier si les phrases sont correctes. Vous savez, j'aime bien chanter, moi. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas le jour où je vais, mon Seigneur. L'autre chant veut dire, quand je venais ici-bas, je vais regarder. Il y en a qui connaissent ça, non? Quand je venais ici-bas, je ne savais pas qu'un jour viendra où je dois abandonner tout ce que j'ai ici-bas. Qui savait que quand il venait ici d'un jour, il allait abandonner toutes les personnes qu'il aime et tout ce qu'il avait ici-bas? Personne. Non, ce n'est pas dedans. C'est un vieux chant. On va le chanter. Vous voulez qu'on le chante? Je sais que ça fait couler beaucoup d'âmes par moment. Mais on peut le chanter pour nous dire c'est pas que nous sommes des humains. Et que nous sommes appelés un jour à quitter cette terre. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Tout ce que vous aurez aimé ici, vous serez obligé de les abandonner. Tous ceux et tout ce que vous aimez maintenant. Vous n'entendez pas? Je ne vais pas parler fort parce que le micro. Vous qui êtes ici, vous voulez un peu de micro? Ici, non? Non, c'est ceux qui sont en ligne, quoi. Vous m'entendez, non? Quand je venais ici-bas, je ne savais pas qu'un jour viendra où je dois abandonner tout ce que j'ai ici-bas. Vous avez des enfants? Vous avez des pères, des mères, des frères, des sœurs, des maisons, des voitures, des bureaux. Que sais-je encore? Un jour viendra, vous allez tout abandonner. Obligatoirement.
Mais quand vous naissiez là, vous ne savez pas. Mais maintenant que vous êtes né, que vous avez commencé à grandir, que vous avez vu beaucoup abandonner tout parti, vous savez désormais que vous aussi un jour, ça va disparaître. Quand je venais ici-bas, je ne savais pas qu'un jour viendra où je dois abandonner tout ce que j'ai ici-bas. Je ne Bon. savais pas. Je ne savais pas qu'un jour viendra où je dois abandonner ce que par moment, quand je le chante, je ne dis pas ce que j'ai, je dis ce que j'aime. Les personnes que j'aime, ici-bas, là, un jour, je vais les abandonner. Je ne rentre pas par ce que j'ai, par ce que j'aime. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'aime. Mais un jour, peut-être qu'il n'est pas loin, pour chacun de nous, ça c'est une réalité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Achille, tu peux prier pour nous. Avant qu'on ne passe à la lecture de ta parole, tu parles au maître pour nous. Notre Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Oui, c'est vrai. Merci pour ta grâce. Merci de nous rappeler ce que nous sommes, des pèlerins ici-bas, Oui, c'est vrai. des hommes créés pour ta gloire, Oui. afin que notre vie ait un sens ici-bas, que tu nous aides, Seigneur, Oh Dieu. afin que ces moments que nous passons soient des moments bénis, et que ces moments soient gravés, Oh Jésus. Seigneur, dans Donc, ton livre de souvenirs. Amen. Amen. Et que personne ne paie sa récompense. Aide chacun de nous. Que ta parole que nous allons entendre crée en nous la vie de Dieu. Amen. Je dis à tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que nous écoutons. Les bien-aimés écoutés le matin. Encore cet après-midi, nous sommes réunis. Que tu fasses grâce. Amen. Tu as dit à ceux qui auront beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Beaucoup, oh Dieu. Que cela nous fasse du bien. Qu'ils n'auront pas peur de recevoir. Non. Parce qu'à ceux qui auront aussi beaucoup reçu et qui auront pratiqué, une couronne leur est réservée. Amen. Que Amen. nous puissions regarder ce but. Donc cela donne-nous la parole. Donne-nous des cœurs honnêtes et droits. Oui, c'est vrai. Et que Seigneur, ce soit des moments bénis pour nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que notre frère voit ce plan-là. Ceux qui sont pas, étaient pas là le matin, qui n'étaient pas là le matin. Il y en a beaucoup. Hein. Frère, tu as les saluer. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère. Je viens de Faël de Dieu. Je suis venu ici pour un mois. D'abord pour me retrouver et aussi pour un stage à l'hôpital. Il vient de la vie de Vincent. Hein? C'est le petit frère de Vincent. C'est le grand frère de Vincent. Ah, mon nom, ouais, non. C'est le grand frère de Vincent, il vient de Lubumbashi. L'outil. Il était avec nous le matin. Vincent avait déjà parlé de ça. Que le frère devait venir. Notre bien-aimé frère
comment il s'appelle? Kazadi. Kazadi l'a appelé et il lui a expliqué que lui, il amènera là où il va pour l'instant adorer. Donc le matin, nous sommes ensemble. Que Dieu le bénisse. Le matin, quand il priait déjà, il parlait, il a déjà parlé de ce dont nous allons parler ce soir un peu. Qui était avec nous? On était. Attends, qui a voyagé avec nous? Oui, voilà, ceux qui ont voyagé avec moi le week-end, non, ceux qui sont en train de manipuler vos appareils. On était à Kwasi. Quoi, Kro? Kwasi, comment, Kro? Kwasi, lui, c'est Kwasi, Kwadjo. Mes frères Babel, ils sont partout. Hein. On se des crocs partout. On est parti à. On était à 4 km de. À Bosokomwe. Mais la route était une route. Hein. C'est la voiture de Lyon là qui doit parler en cellule là. Parce que la voiture de Lyon peut lui-même créer sa route. C'est vrai, la route était très mauvaise d'ailleurs. Mais ce qui est encourageant et réconfortant, c'est de voir des frères qui aiment Dieu. Parce que quand nous avons parcouru cette distance-là, et que nous voyons qu'à chaque fois qu'il y a une réunion, ils prennent leur moto, ils parcourent ça pour venir jusqu'à courir. Alors j'ai dit, est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu comme eux? Nous, on aime rouler sur le goudron, mais eux, dans des zones là, souvent, quand il pleut, vraiment c'est glissant. Tu vois les côtes là, très raides par moments, avec des cailloux, si tu tombes, tu t'arraches beaucoup, beaucoup de chair. Et ils savent. Et tout. Mais que Dieu les bénisse. Ils nous ont bien reçus. On a passé une très bonne nuit. Et tous les frères ont vraiment exhorté. Moi, j'ai parlé un peu seulement. Je leur ai dit, je n'ai même pas encore abordé ce sujet ici à Abidjan. Non, ce soir, je vais l'aborder un peu simplement. Pour que chacun de nous se demande qui il est. Ça vous pose la question de savoir qui est-ce que vous êtes. Alors, on va lire dans Jean, chapitre 4. Et ils savent ça déjà, mais je vais les crucifier. Ceux qui savent là, ils vont être crucifiés ce soir. Je lirai à partir du verset 20 seulement. Oui, non, je vous sens de vous crucifier déjà. Je lis avec le verset 20 seulement. Je ne lis pas tout le verset que vous avez, tous les passages qu'on a lu la fois dernière là. Je ne rentre pas dedans. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous savez, j'étais en train de méditer. Je lisais moi-même comme vous. Les âmes qui sont maintenant en prison. Et puis j'ai lu quelque chose qui m'a retenu. Et j'ai pris un bic et j'ai commencé à noter quelques passages comme celui-là. Alors, elle a fait la même. J'ai noté quelques passages seulement pour garder Nathan. C'est quelque chose qui est important, qui est intéressant. Pourtant, dans la vie de lire, on passe la pure. On ne fait pas attention. Bon. Je vais noter ces puits. Peut-être ça peut faire l'objet un jour d'une prédication. Parce que souvent, le sujet de prédication, là, c'est des choses simples qui vous frappent. Et puis, vous regardez, vous ajustez, vous regardez, vous relisez. Et ça prend la forme pour vous. Et j'ai dit, mais c'est une bonne chose. On a lu, toujours lu ça. Mais ça doit être lu et lu correctement pour nous aider à marcher. Et si voilà, cette femme samaritaine-là, qui a découvert qui est le Seigneur, dit, vous les Juifs là, nous, nos pères, ont adoré cette montagne. Ils aiment adorer sur les montagnes. Et vous dites que le lieu où on doit adorer maintenant là, c'est plus cette montagne, c'est à Jérusalem. Vous savez, l'homme habituellement aime adorer. On va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est qu'adorer. Je regarde le professeur émérite. Et moi, je prends souvent mes dictionnaires et puis je regarde dedans. Parce que souvent, il y a des mots qu'on pense comprendre, connaître.
Mais quand tu prends le dictionnaire, tu cherches, tu te rends compte que le sens est plus profond que tu ne le voyais auparavant. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Parce que si vous adorez quelqu'un, ce que vous adorez là, les Juifs disent qu'ils adorent le Père à Jérusalem. Vous, vous adorez cette montagne, le Père. Il dit, l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. D'abord, le mot adorer veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on adore? Tout à l'heure, je cherchais le passage où Pierre a fait cette pêche miraculeuse-là, où il est tombé de la face du Seigneur. Je ne l'ai pas retrouvé, je crois que c'est dans Matthieu, mais je ne l'ai pas retrouvé. Si vous avez votre smartphone, vous allez retrouver ça tout de suite. Et quand Pierre a fait cette pêche miraculeuse, il est tombé sur sa face, il a dit, retire-toi de moi, maître, retire-toi, car je suis un homme pécheur. Et quand les femmes, également, après sa résurrection, l'ont trouvé le matin, dans certains, pas dans l'île de Jean, mais dans l'île de Luc et autres, on dit, elles l'ont adoré. C'est pas vrai? Elles ont adoré. Alors, adorer veut dire quoi? J'ai pu demander à mon professeur, s'il est en linguistique, de me donner le sens. Adorer, dire, rendre un culte divin à Dieu, c'est encore compliqué. Quand on dit qu'il faut rendre un culte divin à Dieu, c'est encore compliqué pour moi. Et puis j'ai poursuivi. Il dit c'est prier. Le mot le plus simple dit c'est prier. C'est prier Dieu. Mais tout le monde prie. Et alors j'ai poursuivi, il a dit, c'est aimer avec passion. Aimer avec excès. Alors j'ai compris. Pourquoi il y en a qui sont des adorateurs de football. Ils aiment le football avec excès, avec passion. Il y en a qui sont les, comme on avait les fans des musiciens. Ils les aiment à l'extrême, au point où ils peuvent même donner leur vie, ils peuvent même mourir au cours d'un concert pour ces personnes-là. Ils adorent ces hommes. Ils les adorent. Des humains adorent des humains. Ils les prennent pour des dieux. Et vous savez bien qu'il y a des présidents qui aime se faire adorer, craint, respecter. Et quand il arrive là, oh mais personne ne peut parler. Tout le monde même se courbe. C'est vrai. Donc adorer, c'est prier. Adorer, mais c'est aimer avec passion. Et le Seigneur nous a dit, lui-même l'a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Si nous devons aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, c'est que chaque jour là, nous devons partout prouver qu'il est Dieu. Amen. Et l'adorer. Nous prosterner devant lui. De sorte que quand on se met à genoux pour prier, ça doit être avec un sens de respect. Souvent, on dit prions le Seigneur. Et puis tu vois ça, blablabla, c'est fini. Mais quand l'apôtre Pierre dit, les temps sont finis, soyez sobres et vaquez à la prière. C'est-à-dire donner du temps pour parler à Dieu.
à genoux. C'est pour ça que le Seigneur en enseignant ses disciples a dit, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En d'autres termes, vous le placez au premier rang. Vous dites, toi Dieu, je veux t'adorer, je veux te prier, mais que ta volonté soit faite. Que d'abord tu sois sanctifié. Et notre vie doit sanctifier Dieu. C'est important. Je vais réagir sur ces éléments qui paraissent un peu simples pour dire que c'est des éléments très profonds qui doivent pousser le croyant. Après, regardez bien. Je crois que c'est dans Acte 3. Quand Jean et Pierre ont prié pour ce malade-là qui les guérit et qu'on les a battus un peu, on les a malmenés, ils sont partis vers les siens, la Bible dit. Ils ont fini de raconter ce qui s'est passé. Et tous se sont mis là à prier. D'un cœur vraiment dévolu, sincère, profond. Et le lieu a tremblé. Tout le lieu a tremblé. Et pour finir, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Parce que leur prière a attiré la présence de Dieu. Je donne encore quelques exemples. Regardez le jour où Salomon a fini de construire l'arche. Et non, le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini de prier, le temple était rempli de nuées. Au point des sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer dedans pour faire le sacrifice, pour faire le service. Dieu est descendu lui-même là. Ce qui veut dire en clair que, frère, si nous sommes des adorateurs du Père, nous devons savoir quelles sont les conditions à remplir pour aller devant lui. Pour que quand nous lui parlons, il nous écoute, il nous exauce. Et que nous sentions qu'il est là, qu'il nous écoute, qu'il est avec nous. C'est vrai. Mais quand nous ne savons pas que faire, alors seulement nous pensons que c'est quelque chose de très simple. Oui, c'est vrai, c'est aussi simple. Nous n'en faisons pas quelque chose de difficile, de complexe. Mais nous parlons au Dieu Tout-Puissant. Après tout, hein, Jean-Marie, lui, l'a habitué en tant que diplomate à rencontrer sur la terre des hommes de haut rang. Regardez comment les gens parlent devant les gens de haut rang. Moi, il m'est arrivé de voir souvent les directeurs généraux des sociétés d'État rencontrer le président de la République, mais tous les salamalais que les gens font pour saluer un homme qui les a nommés à un poste où on peut les enlever demain là. Vous ne pouvez pas savoir. Qu'est-ce qu'on fait quand ils voient les femmes de ces présidents-là? Quelle attitude ils adoptent? Vous ne pouvez pas savoir. Et quand souvent vous voyez des gens qui sont nommés par un directeur, quand ils voient ce directeur-là, pour le poste qu'ils ont, quel type d'attitude ils adoptent pour que ce poste-là, on ne l'enlève pas. On ne les enlève pas de ce poste. Parce qu'ils tirent toute leur gloire de ce poste-là. C'est pas vrai? Maintenant, revenons à notre test. La première chose que le Seigneur fait comprendre, que le lieu d'adoration, ce n'est pas dans un lieu physique. Amen. Ce n'est plus un lieu physique. Avant, oui, vous dites que c'est un lieu physique, à Jérusalem, ou cette montagne-là. Dites désormais, oubliez ça. Sortez ça de votre tête. Ce n'est plus dans un lieu physique. Parce que ce que le Père veut là, ce n'est pas les gens qui vont dans un lieu physique. C'est une autre forme. Il y a un lieu où il a pourvu, où on doit l'adorer. Il faut d'abord savoir où. C'est pour ça qu'il précise. Je passe sur les éléments avant de venir sur les points principaux. Vous voyez, les éléments dont le Seigneur a parlé ici, on va les prendre un à un pour aller. Ici, dit, ce n'est ni sur la montagne, ni sur Jérusalem, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Mais je vous le dis, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce qu'on connaît, parce que le salut vient des Juifs. Est-ce le Père là
Il est dans un lieu, il est au ciel, là-bas. Il est esprit. Tu n'es pas descendu dans un lieu, votre adoration n'est pas valable. Il faut qu'il descende là. Et il poursuit, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, là, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce qui veut dire, il y a deux mots principaux qui doivent caractériser l'adorateur. Il doit être d'abord en esprit et en vérité. Maintenant, je vais laisser d'abord l'esprit, je prends d'abord la vérité. La vérité, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole. La parole de Dieu, la vérité. Donc, si tu veux adorer le Père qui est esprit, qui est la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Elle habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Comme la gloire d'un fils unique. C'est pas vrai? Maintenant, ce Père-là, pour l'adorer, il faut que d'abord tu sois dans la vérité. Amen. Si tu n'es pas dans la vérité, ton adoration est fausse. Et c'est pour ça que, frère, il est important de savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. Il faut qu'on le sache. Il dit, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. Ce qui veut dire d'abord que avant d'aller adorer, tu dois être sanctifié par cette parole. Si tu n'es pas sanctifié par la parole, tu vis dans le péché, ton adoration n'a aucun sens. Dieu n'agrée pas ton adoration. Il dit, tu viens même souillé. On le lira, on le verra après. Après, on va prendre des points spécifiques où les gens ont semblé adorer Dieu et ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils ne l'ont pas connu. Mais ici, le Seigneur nous dit à nous et à la femme, non, oublie cette montagne. C'est un lieu physique. Oublie Jérusalem. Oh, il y a le temple là-bas, c'est vrai. Il y a l'arche de l'alliance, tout ça. Dans l'arche, il y a les deux tables de la loi. Il y a la manne. Il y a la veille d'Aaron. Il y a tout ça là-bas, c'est vrai. Mais oublie ça. L'heure est arrivée. Dans peu de jours, là, le lieu où se trouve l'arche là va disparaître. Parce que le voile va être déchiré de haut en bas. De sorte que chaque adorateur puisse pénétrer dans la présence divine du Dieu vivant. Amen. À Golgotha, quand il est mort, on dit le voile est déchiré. Certainement que quand la terre a tremblé, les autres adorateurs ont fui pour aller dans le temple pour pouvoir adorer. Parce que quand la paix arrive, là, beaucoup adorent. Vous avez encore de l'avion? Prenez l'avion, vous allez voir. Quand les turbulences sont très fortes, tout le monde se met à prier. Chacun prie son Dieu. Cela prie celui-ci. Cela prie celui-là. Et tout le monde a paniqué, mais chacun prie. Chacun appelle Dieu au secours. Même ceux qui disent qu'ils ont hâté, oh Dieu. Oh Dieu. Le mot Dieu vient instantanément dans leur bouche. Ils n'appellent pas quelqu'un d'autre. Hein. Ils disent, oh Dieu. Oh Dieu. Tu les vois, le visage devient rouge pour les blancs. Pour les noirs, là, c'est la transpiration qui arrive. Chacun cherche un secours auprès de celui qui est divin. Alors, pourquoi notre adoration n'est pas agréable à Dieu? Parce que nous ne remplissons pas souvent les conditions pour aller adorer. Pourquoi notre adoration n'est pas agréable à Dieu? Or, si Dieu a donné à l'homme, il a mis dans l'homme le besoin d'adorer, c'est lui qui a mis dans l'homme le besoin d'adorer. Regardez bien, il n'y a pas un homme sur la terre qui n'adore pas. Chacun a quelque chose qu'il adore. Il y en a qui adorent les films. Il y en a qui adorent les films. Regardez les films là. Il peut passer toute une journée là, assis là, les films passent.
Moi, souvent, je suis dans l'avion, tu regardes là. On regarde. Les gens peuvent passer 6 heures à regarder que des films. Des films, des films. Et souvent, ils ont leur propre film. Quand ils arrivent là, c'est ce qu'ils mettent. Tu passes le temps à regarder, tout le temps. Tu dors, tu te réveilles, regarde, regarde le film. Tu dors, tu te réveilles, en train de regarder le film. Tu dors, tu te regardes. Il n'a rien d'autre à faire. C'est ça sa passion. Il aime ça passionnément, il aime bien ça. Il y en a quand on dit c'est football. Oh là là. Même la nourriture n'a pas de sens. Prenons nos Américains avec le baseball. Le gars, il est assis là. Avec les bouteilles Coca-Cola assis là toute la journée. Aussi longtemps, ça joue assis là. Ça quoi que là, avec tous ces sucreries, ces trucs. Il assis là. Il boit, il mange, il mange, il regarde. Il est figé là. Toute la journée, il assis là. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Et quand il sort, c'est le sens-là qui parle. Il en discute. Il y en a même qui font des paris dessus. C'est pas vrai? C'est là, objet d'adoration. Et nous, notre objet d'adoration, c'est quoi? Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Donc, il y a plusieurs dieux. Nous, notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Amen. C'est le Dieu qui est esprit. Le Dieu qui est au ciel, qui a créé toutes choses. C'est lui que nous voulons adorer. Mais pourquoi notre adoration n'est pas agréable à Dieu? Parce que notre adoration est agréable à Dieu. Le résultat, il est instantané. Ah oui? Si ton fils a une chose qui est agréable à toi, mais tu ne veux que satisfaire ses besoins. Et nous aussi, si nous faisons une chose qui soit agréable à Dieu, il va répondre à nos besoins. Il va vouloir de nous. Et toi, tu vois que chaque fois, il mettait dans ton cœur d'aller dans sa présence. Chaque fois, tu auras envie d'aller dans sa présence. Là, j'en ai des cantiques, peut-être que vous avez oublié. C'est le matin, j'en ai. Mouvement si doux de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se réveille là à moi comme un père, comme un sauveur, comme un appui. Dans la prière, là, il m'élève jusqu'à lui. Et il se révèle à moi comme un père, comme un sauveur et comme un appui. Dans les situations les plus complexes, c'est le seul appui. Amen. Amen. Je n'ai pas recours à quelqu'un d'autre. Amen. Même quand les gens disent, il faut aller voir telle personne. Non, moi, j'ai un qui est au-dessus des hommes. Amen. Parce que la crainte des hommes est un piège. Et puis, si tu mets ta confiance dans les hommes, là, tu verras bien. Et quand la personne n'est plus là. Mais Dieu, il est toujours présent. Amen. De tout elle était, tu étais là. Donc, le Dieu, là, donc Dieu est toujours présent. Il est mieux de se confier en lui que de se confier en les hommes. Oui, je voulais. On va parler de la vérité avant de venir sur l'esprit. Je vous ai déjà cité Jean 17, 17, que nous devons être sanctifiés par la vérité. Ce qui veut dire d'abord, avant d'aller devant Dieu, il faut savoir que toi-même tu es sanctifié. Tu es saint. Tu es pur. Que tu n'as rien à te reprocher. Alors, ton adoration sera agréable à Dieu. Quand tu vas te mettre à genoux, ou quand tu vas te mettre debout, tu vas lever les mains comme ça, pour commencer à parler au Dieu Tout-Puissant. Tes mains, là, il regarde tes mains. Tout à l'heure, on a chanté, non? Qu'est-ce qu'on a dit? Déchirez vos cœurs et non, vos humiliants vêtements, pécheurs nettoyez vos mains. Et revenez à l'Éternel, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. En d'autres termes, l'orgueilleux n'a pas la place dans l'adoration. Le méchant n'a pas sa place dans l'adoration. L'injuste n'a pas sa place dans l'adoration. Le cœur orgueilleux n'a pas sa place dans l'adoration. Il a besoin des hommes humbles et doux de cœur. Pour aller, comme lui-même est humble et doux de cœur, c'est la profondeur appelle la profondeur. Amen. Ah oui, il faut qu'il y ait les choses de la même nature pour qu'ils marchent ensemble. Si tu n'as pas la même nature que lui, ce n'est pas la peine d'y aller.
Et puis, j'ai noté autre chose. Là, je l'ai déjà dit, mais revenez ici d'abord. Pour avoir une adoration correcte, comme nous savons qui nous adorons, et nous devons savoir qui nous adorons, nous devons le savoir. Qui nous adore, c'est le Père. Mais qu'est-ce que Jésus nous a appris? Il dit, le Père et lui, ils sont un. Si je me trompe, dites-le moi. Dans Jean 10, 10, le Père et lui, ils sont un. Philippe l'a dit, tu nous parles tellement du Père, le Père, chaque jour, mon Père, dis-nous qui est le Père. Il dit, Philippe, tu ne m'as pas connu. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Tu ne sais pas que le Père à moi est dans le Père. Et que ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui le dit. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui le fait. Donc si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc nous avons en face de nous le Dieu qui est esprit, qui est devenu homme. Pour que nous l'adorions. N'est-ce pas? Alors, pour que tu adores véritablement et que ton adoration soit sincère et pure, il faut être en Christ. La condition première pour les chrétiens, pour ceux qui veulent vraiment, ils doivent d'abord être en Christ. Ce n'est pas dans le baptême d'eau. Hein. Ce n'est pas le fait que je sois... Moi, j'ai l'habitude de dire, oh, il y a des pécheurs secs mouillés. Il est pécheur, il tombe dans l'eau, on le baptise. Quand il sort, il est toujours la même personne. Il n'y a rien qui a changé. Non, c'est un pécheur sec qu'on a juste mouillé, qui est ressorti. Il n'y a rien de ce qui a changé. Mais le vrai croyant, comme le matin je vous disais, il meurt avec Christ. Il est enseveli avec Christ. Il ressuscite avec Christ. Et alors, il a la même nature que Christ. Et il est rempli de l'esprit de Christ. Après ce niveau-là, quand il adore Dieu, il adore vraiment en esprit. Mais auparavant, Dieu lui a révélé sa parole. Il connaît sa parole. Il connaît Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Beaucoup vont demander une chose à Dieu sans savoir si c'est sa volonté. Ils ne sont pas exaucés. Mais si vous marchez dans le même esprit, vous marchez dans son esprit, vous comprenez son esprit, alors vous demandez les choses selon son esprit. Oui, c'est vrai, frère. Il est la parole. Il est l'esprit également. Il est les deux à la fois. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Dans Jean 14, 16, on peut le lire. Je sais que vous êtes habitué à ces passages. J'ai tellement lu avec vous que par moi, je me demande s'il faut le lire avec vous. Jean 14, il dit à partir du verset 15. Si, condition, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, aime ton Dieu de ton cœur, de ton âme. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez-les d'abord. Si tu ne gardes pas les commandements, ce n'est pas la peine d'aller dire que tu allais adorer Dieu. Il n'y aura pas de gars. Vous vous souvenez de ce que j'ai. Quand c'est. Le prophète Élisée. Quand les gens sont partis en guerre avec Jéroboam et tous les autres là. Et puis, ils étaient pris de coups, il n'y avait plus rien à boire. Ils sont soit assoiffés, ils sont fatigués. Et quand ils sont arrivés vers lui, là, il a dit ben, s'il n'y avait pas de gars pour. Il y avait un là-dedans, le nom. J'ai oublié le nom. Il dit s'il n'y avait pas de gars pour lui, je ne vous ai même pas regardé. Et puis, faites venir un joueur de harpe. Envoie-moi un joueur de harpe, là. Et quand le joueur de harpe a commencé à jouer l'harpe, à la harpe plutôt, l'esprit est descendu. Et puis, il a dit, creusez ici. Et vous aurez de l'eau. Frère, je vais profiter de là pour vous parler des cantiques que nous chantons. Quand c'est un cantique inspiré, ça prépare le culte. Ça prépare la parole. Souvent même là, un cantique inspiré
peut amener le prédicateur à laisser le sujet qu'il a préparé. Et le cantique va lui servir. Un seul mot dedans va lui servir. Et ce mot-là, les versets qui vont en découler, c'est pas lui. Hein, parce que c'est Dieu. Vous êtes tellement préparé. Et on est en communion que Dieu lui-même donne tout ce qu'il faut. Quand vous sortez de là, c'est pas un homme qui vous a parlé. Vous êtes certain, c'est pas un homme qui vous a parlé. C'est Dieu qui vous a parlé. C'est pour ça que j'attire l'attention de mon fils. Chanter, c'est une chose. Je disais à Kwasi Kro, que c'est pas parce que dans le monde là, je sais chanter, que quand je viens à l'église, je dois forcément chanter. Soit parce que c'est jouer à la musique, quand j'arrive à l'église là, que forcément je dois jouer à la musique. Soit parce que là-bas dans le monde, je suis très éloquent, que quand je vais arriver à l'église là, je deviens en même temps prédicateur. Non. Il faut que ce soit un appel divin. Sinon, que je joue chez moi à la maison. Mais qu'à l'église là, je reconnais que c'est un lieu où on adore le Dieu Tout-Puissant qui appelle à son service lui-même. Dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que ceux qui venaient pour Jean là, Jedutum là, c'est des gens que Dieu a consacrés lui-même. Même le jour où on taillait les pieds pour construire les maisons, pour construire le temple là, c'est pas Salomon qui a choisi les gens. Dieu lui a dit, voilà, telle personne, j'ai mis à disposition. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. On se lève, et c'est dans ce message, on se lève, et on se fait prédicateur. On se fait chanteur. On se fait musicien. On fait tout. Et plus tard, on se rend compte que la personne n'est même pas digne. Une fois, j'étais à Bassam. Il y avait quelqu'un qui m'avait invité. Il avait appris le message, je suis parti avec Amédée. On était partis ensemble. Et puis, quand j'ai fini de prêcher, ils ont demandé, je prie pour eux. J'ai commencé à prier pour eux. Jusqu'à ce que j'ai reçu le tambouriniste, ou bien tambouriniste, comme vous pouvez l'appeler, celui qui tape le tambour. J'arrive à son niveau, je me suis arrêté. Il dit, toi, tu veux que je prie pour toi, pourquoi? Dis-moi la raison pour laquelle tu veux que je prie pour toi. Il me regarde. Ce que je n'ai pas demandé aux autres, je le lui demande à lui. Dis-moi pourquoi tu veux que je prie pour toi. Il ne peut pas parler. Il dit, mais ta vie n'est pas en ordre. Tu t'aimes le tam-tam là, mais ta vie n'est pas en ordre. Tu penses que c'est ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas ça qui va aller au ciel. Ce qui va t'amener au ciel là, c'est si ta vie est en ordre avec Dieu, alors oui. Là, tu tapes pour plaire aux gens. Parce que tu as envie de taper. Il dit, c'est faux? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, pourquoi tu tapes? Et il y a plein de situations comme ça qui arrivent. Quand j'allais dans les églises, moi, je regarde. Soit c'est des petits garçons de rien du tout qui sont de taper. Je regarde. Ceux-là, s'ils connaissent ce que adorer Dieu veut dire, pour qu'il aille, on lui confie une responsabilité dans la maison de Dieu. On lui confie un rôle. C'est un rôle qu'on lui confie. Un enfant, quand il va sortir, il va aller jouer au ballon. Il va aller insulter les gens dans la rue. Faire toutes sortes de bêtises. Parce que vous pouvez me dire qu'il est converti. Un enfant de 8 ans, de 10 ans, qui n'a même pas encore, besoin de baptême. Et puis on lui confie un rôle. On l'habitue à des rôles. Il va rester dans la sphère de rôle. Jusqu'il va grandir. Et il pense que c'est le rôle seulement. Frère, revenez en arrière un peu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure éternellement. Ça veut dire que vous n'êtes pas temporel, vous. Si vous n'êtes pas temporel. Vous êtes non temporel, intemporel. Vous êtes enfant de Dieu dès le commencement. Depuis la fondation du monde. Dans sa présence, il vous connaissait. Et il vous a choisi pour. Et alors, il vous enverra le consolateur qu'il vous faut pour qu'il demeure aussi avec vous. Pour marcher avec vous. Pour vous conduire dans toute la vérité. Et il continue.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Le Seigneur n'était pas encore parti à la croix. Donc il demeure avec eux. Il parle avec eux. Il mange avec eux. Il se déplace avec eux. Mais quand il va finir avec la croix, quand il va descendre dans la tombe, quand il va ressusciter et qu'il va monter, alors il va recevoir du Père le consolateur qu'il enverra sur nous et qui doit habiter à nous. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, ils l'ont bien reçu et la promesse devient encore valable pour nous. J'ai noté le passage, on va le lire également pour que nous sachions. Mais pourquoi notre adoration n'est pas agréable à Dieu? Parce qu'on n'est pas en Christ. Aussi longtemps qu'on n'est pas en Christ, notre adoration ne peut pas être agréable à Dieu. Et j'ai pris, tout à l'heure, je disais, j'ai pris des passages pour nous montrer des types d'hommes qui ont adoré. Après, on viendra également sur d'autres types d'hommes qui ont adoré. Les premiers que je voulais montrer, c'est des gens qui pensaient qu'ils adoraient le vrai Dieu. Alors que dans leur cœur, dans leur vie, aussi Dieu savait qui ils sont. Et quand ce Dieu est devenu homme, et qu'ils étaient devant lui, ils savaient qui ils sont. C'est dans Matthieu 23. Alors ici, ce qui va être important, si on devait lire tout le passage, je ne sais pas si on va lire tout le passage, mais j'aimerais qu'on fasse attention à certaines pensées que le Seigneur a développées ici. Je sais que pour Victorine, ça c'est un genre de révision. Parce qu'on est rentré dedans en profondeur. On va lire, je ne sais pas, on va, si on peut tout lire. On n'est pas pressé. Si on n'a pas fini aujourd'hui, on pourra continuer. Parce que même là, je ne crois pas que j'ai pris toutes les notes. Il y a des choses que je voulais prier. Et puis, un peu fatigué, j'ai laissé ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Qui sont-ils? Est-ce que c'est des gens, c'est les hommes lambda? Un pharisien, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Vous savez bien que Paul, avant de venir à la foi, il était pharisien, lui le dit. Hébreu, né hébreu. De la famille de la tribu de Benjamin. Circoncis le huitième jour. C'est pas vrai? Quant à la loi, il est zélé, il est pharisien. Quant aux zèles, il est persécuteur. Donc Paul, il a été élevé au pied de Gamaliel, un grand docteur de la loi. C'est des gens qui possèdent les Écritures. Mais ils n'avaient que la lettre. Ils n'avaient pas d'esprit. Aujourd'hui, beaucoup également, nous aimons bien la lettre. Mais l'esprit n'est pas. Or, la lettre tue. C'est ce qui vivifie. Si tu as la lettre et que tu n'as pas l'esprit, tu vas mourir. Mais il faut avoir les deux pour avoir la vie. Allez, continue, dis. Regarde ces hommes-là. Hein. Aux yeux des hommes, aux yeux des humains, ces hommes dont on parle sont irréprochables. Aux yeux d'un commun mortel, ces hommes-là, on ne peut pas mettre un doigt sur un mal les concernant. Ce n'est pas possible. Mais ils sont en face de quelqu'un à qui on n'a pas besoin de rendre témoignage de l'homme. Il connaît l'homme. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. L'hypocrite veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait des choses auxquelles il ne pense pas. Ce n'est pas ça qu'il pense. Voilà, un lion vient. Bonjour mon fils, que Dieu te bénisse. Alors que dans mon cœur, il dit, bon, que Dieu le maudisse. Ouais. C'est ça qui est dans mon cœur. Hein. Mais apparemment ici là, oh mon fils, je t'aime, oh, que Dieu te bénisse. Tu es un brave garçon. Oui, il faut mettre mon micro en accord bien, être sensible. Parce que moi, il va arriver de me lever. C'est l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Faire une chose dont on n'est vraiment pas convaincu. C'est le contraire qui est en nous. Et on fait à l'apparence là. Par l'apparence,
On pense que c'est ça. Celui qui n'a pas le discernement, il dit, mais vraiment, il l'aime bien. Ouh. Alors qu'au fond, dans son cœur, là, il dit s'il pouvait mourir même. Là. Pourquoi c'est lui qui doit avoir tout ça? Hypocrite! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Mais c'est les adorateurs de Dieu. C'est eux qui sont là, ils vont au temple. On les voit adorer. Vous allez voir, si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir. Ils portent de grands habits avec beaucoup de ceci, de cela. Oh, les premières places, ils sont les premiers. Et tout. Ah, c'est des grands, c'est les hommes de Dieu. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. De longues prières devant tout le monde, c'est de vrais adorateurs. Oh, mais on a des adorateurs. Leur adoration ne va nulle part. Dieu n'a pas égal à cette adoration. Mais là, vous scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Nous partons, nous parlons de Dieu aux gens, ils viennent. Et après, nous créons en eux la haine pour les autres. Nous n'apprenons la haine. Pas l'amour. Mais parce que l'amour vient de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas l'amour, n'a pas Dieu en lui, l'amour de Dieu ne peut pas rentrer en lui. Quand quelqu'un n'est pas l'esprit de Dieu, il ne peut avoir que la haine. Vous avez beau parler, frère, il faut aimer, il ne sait pas. Il ne peut pas savoir aimer. Parce que aimer n'en fait pas d'effort. Hein. On ne va pas à l'école pour apprendre à aimer. L'amour, là, il est inné, il vient de Dieu. Si Dieu ne l'a pas mis en toi, tu ne peux pas aimer. Ce n'est pas possible. Et c'est ça que j'ai dit souvent. Il y a des frères qui se marient à des soeurs qui ont déjà des enfants ou des soeurs qui se marient à des hommes qui ont déjà des enfants. Ils veulent marier l'homme, mais ils ne veulent pas de l'enfant qui est né auparavant. Ils veulent la femme, mais ils ne veulent pas de l'enfant qui est sorti de la femme auparavant. Mais tu n'aimes pas la personne. Tu n'as pas l'amour. Parce que si la femme vient dans ta maison, elle peut probablement marier ton grain de riz. Alors quelle est ta religion? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? À chaque jour, tu dois rappeler la femme là. Il faut la mettre sur son père. Hein. Ton fils te me fatigue. Hein. Monsieur, il faut dire à ton fils de la caméra respecter. Hein. Si tu fais yémer tes bagages dehors, hein. Voilà l'histoire du croyant que nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, nous attendons l'enlèvement. Pourtant, nous chantons de beaux cantiques. Mais notre adoration ne peut pas t'agréer à Dieu. Il ne peut pas nous agréer. Ce n'est pas possible. Je poursuis. On peut continuer encore un peu, non? Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si que... Voilà. Il parle maintenant, il parle des conducteurs maintenant. Des conducteurs, si un aveugle conduit un aveugle, il dit ils sont aveugles. Si un conducteur conduit quelqu'un qui est aveugle, les deux vont te mettre dans un trou. Ça, c'est clair. C'est très clair. Hein. L'adoration n'a pas de sens. Dieu n'agrée pas l'adoration de tel conducteur. Qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé aveugle, lequel le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Je peux laisser ça pour descendre un peu plus, pour aller un peu plus vite. Si on veut tout lire comme ça, on va aller. Laissez-la descendre un peu, verset 23. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous payez. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin
C'est très beau. Quelqu'un qui va cueillir sa menthe, les menthes, c'est des feuilles qui contiennent beaucoup de vertus. Les gens les commercialisent. Donc, ils ont vendu, ils recordent de l'argent, ils vont aller payer la dîme. La nette, c'est la même chose. Le cumin, vous savez, le cumin, on appelle ça également quoi? Le nigel. Le cumin noir, c'est le nigel, là. Donc, il y en a qui en font de l'huile, il y en a qui en font des grains. Ils vont vendre ça sur le marché. Ils ont de l'argent, ils viennent payer la dîme. Mais regardez bien, ce qui veut dire que c'est bon de payer sa dîme. Mais c'est ça que Dieu regarde. Vous allez voir ce qui suit. Hein. Il dit, vous payez la menthe. C'est que même les feuilles que vous vendez, là, vous payez la dîme. C'est moi qui ai créé. C'est plein de moi qui les ai créés. Je vous les ai donnés. Vous payez la dîme, c'est bon. Mais il y a une chose que vous oubliez. Au verset combien? Verset 23, c'est ça, non? Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice et la miséricorde. Frère, un croyant qui n'a pas la justice et qui n'est pas miséricordieux, sa foi, sa prière, son adoration est nulle devant Dieu. C'est que si tu ne peux pas participer à la misère des autres, tu ne peux pas ressentir la misère des autres pour les porter, tu n'es pas un croyant. Tout à l'heure, on a chanté un cantique dans lequel on a demandé que par sa miséricorde, il fasse quoi? Vous avez oublié? On a chanté un cantique dans lequel il y a le mot miséricorde qui est sorti. Il n'a qu'à nous pardonner. Ou bien c'est le matin, on a chanté ça. C'est le matin. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mon péché. C'est dans sa miséricorde là que je lui demande de pardonner mes péchés. Mais toi, tu n'es pas miséricordieux. Donc tu ne peux même pas pardonner à quelqu'un qui te fait du mal. Tu n'es pas capable de pardonner, ni de porter la misère de celui qui est en face de toi. Sa souffrance, ça ne te dit rien. Et tu disais le matin, tu as adoré Dieu. Tu dis, je vais à l'église. Je vais au temple. Je vais là où on a invoqué. Je vais prier. Mais tu as appris à traverser même pas ton plafond. Jamais. C'est pour ça que quelqu'un a dit, j'ai peur des chrétiens dont la prière n'est jamais exaucée. Ça veut dire que ces hommes-là, ils n'ont aucun contact, aucune communion avec Dieu. Dieu n'entend rien. Dieu ne voit rien. Il ne le voit même pas. C'est comme à la fin, ça s'est dit, oh, des gens viennent dire, Seigneur, mais j'ai guéri des malades en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Il va dire, oui, c'est vrai. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ouvrier d'iniquité. Vous êtes ouvrier d'iniquité. Votre travail, là, c'est de commencer par l'iniquité. Vous êtes un ouvrier pour l'iniquité. Moi, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes des utilisateurs de nom. Vous avez utilisé mon nom pour avoir de l'argent, pour vous faire connaître, pour faire un nom. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Judas n'a pas pu, avec le nom du Seigneur, Judas n'a pas pu l'autorisation pour aller guérir les malades? Mais si. Il a prié pour les malades, non? Il a chassé les démons. Il était parmi les 70. Et quand ils sont arrivés, tout le monde était heureux. Il dit, mais on voyait. Il dit, mais je voyais le Satan descendre comme un éclair. Et puis il lui a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit écrit dans le ciel. Mais lui connaît ceux dont le nom est écrit déjà dans le ciel. Hein. Et pour les chasser, il dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, n'est pas digne de moi. Nous, enfants d'Abraham, il va faire de nous des cannibales. Attends. Il pense que c'est comme ça qu'on va le suivre. On sait qu'il a le pouvoir de faire des miracles, mais si c'est pour vous donner ce qu'il veut là, nous, on ne peut pas. Tout le monde est parti. Il restait 12 sur 70.
Il leur demande, mais vous, là, vous ne partez pas. Pierre dit, à qui d'autre nous irons-nous, nous autres là? Nous avons connu, nous on a connu. On a cru, on a connu que tu es le fils de Dieu vivant. On ne peut aller nulle part ailleurs. Il dit, mais vous les 12 là, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un d'entre vous est un démon. Il adorait aussi, hein? Mais son adoration n'allait nulle part. On poursuit un peu encore, non? Il est important. Dans la loi de la bonne, ce qui est important, la justice. La justice. Être juste. Être équitable. La miséricorde et la fidélité. On n'est pas fidèle à Dieu. C'est-à-dire qu'on a pleine confiance envers Dieu. Un homme fidèle, c'est un homme qui s'attache à la personne, quelles que soient les circonstances. Moi, quand je fais mon deuil, il y avait une jeune dame, que je connais, qui a demandé à une jeune dame de taper mon test. Je me suis retrouvé avec elle un samedi, au plateau, dans l'immeuble de Saham maintenant, là. En ça, c'était Colina. Il y avait Colina, et puis il y avait IBM, non. Comment on appelle ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Cette société de Hewlett Packard, HP, ils étaient là-bas. Et je me suis retrouvé samedi après, avant d'aller à la réunion. Non, j'ai fini la réunion, je suis allé à la réunion net. Elle était là-bas depuis le matin, je l'ai retrouvé. On est resté là, on a travaillé qu'à minuit. Elle s'appelle Safira. Je lui ai dit, madame, vous n'avez pas peur de vous retrouver avec un garçon à cette heure-là, dans le plateau où il n'y a personne, dans les îles où il n'y a pas d'habitation? C'est ce qu'elle va me répondre. Quand tu as pris un engagement, tu l'assumes jusqu'au bout, quel que soit le coût que tu as payé, le prix que tu as payé. Je l'ai regardé. J'ai dit que Dieu te bénisse. Elle m'a dit amen. J'ai dit, on arrête de travailler. On rentre à la maison. Et d'abord, on arrête de travailler, on rentre à la maison. Et puis, on a tout fermé. Je l'ai mis dans la voiture. Je l'ai la déposé chez elle. Puis je suis rentré à la maison. Et depuis ce jour, j'ai dit, quand tu prends un engagement, si tu prends un engagement envers les hommes, tu dois l'assumer quel que soit le prix. À plus forte raison, quand tu prends un engagement envers Dieu. Si envers les hommes, une femme comme celle-là, elle dit, c'est un engagement qu'elle a pris, elle peut refuser. Elle n'est pas payée. Je ne lui paye même rien. Sa patronne lui a demandé de faire ça pour moi. Elle va depuis le matin s'asseoir pour travailler, je vais la trouver, et jusqu'à minuit. Je ne sais pas qu'elle m'a posé la question, mais madame, vous n'avez pas peur de vous retrouver au plateau comme ça, là, où des gens peuvent vous violer. Vraiment, c'est ce que je veux dire. Moi, tu es violé ici. Et tu as crié, personne ne va entendre. Et tu as raconté à quelqu'un, personne ne va croire. Personne ne va croire. Si on peut prendre un tel engagement envers les hommes, quel doit être notre engagement envers Dieu, nous, qui nous disons croyants. Frère, c'est pour ça que cet évangile-là ruisselle du sang des saints. Ils ont pris l'engagement de bonne conscience pour marcher avec Dieu. Et quel que soit le prix que cela devait leur coûter, ils ont accepté d'aller jusqu'à la mort. Leur nom n'a pas de sens. Et nous, que devions-nous faire aujourd'hui, frères et sœurs? La justice, la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. On a interverti l'ordre. Ce que les gens voient là, on paie sa dîme. Aujourd'hui, dans nos églises, dans certaines églises, on vous donne des enveloppes. Ton nom est dessus. Hein. Et puis, quand tu as fini, tu viens déposer. Alors, quand on ouvre l'enveloppe, on sait combien tu as payé. Donc, après, on sait combien tu gagnes par mois. Et chaque mois, déjà, on fait le planning. Le plan du budget de l'année. S'ils sont 300 ou 1000 personnes,
Et puis le plus petit, peut-être c'est 100 000 pays. Mais celui-là, il a 1 million. Hein. C'est 10%. Il a 1 million. Donc le pasteur là, il va trier ceux qu'il doit fréquenter. Il va les trier. Il va trier par ordre de grandeur. Ceux qui paient 300. Ceux qui paient 400. Ceux qui paient 500. Et celui qui a payé 500, il a 5 millions. Celui qui paie 400, il a 4 millions. Jusqu'à il descend un quart. Et puis les gens disent, bon, ceux-là, il faut les laisser. 10 000 francs payés. 5 000 francs, on fait quoi avec ça? Donc, ses amis dans l'église, c'est ceux qui ont commencé à payer à peu de 500, 400, 300 électriques. C'est ça qui va être ses amis. Pourquoi? Parce qu'on court après de l'argent. On court après le matériel. L'âme ne nous intéresse pas. L'âme de ceux pour qui le Seigneur est mort là, ça ne nous intéresse pas. C'est comment nous allons nourrir notre ventre, nourrir nos femmes, nos enfants. Je dis bien nos femmes. Parce que ces hommes-là, souvent ils n'ont pas, dans l'église même, ils commettent des actes les plus ignobles. Ils commettent les actes les plus ignobles dans l'église. Leur adoration, et pourtant, d'ailleurs, on les voit comme des vrais croyants, des adorateurs de Dieu en esprit, en vérité. Mais ils n'adorent pas Dieu en esprit, en vérité. Dieu les connaît. Et leur fin, c'est la mort. C'est la séparation définitive avec Dieu. Pourquoi notre adoration n'est pas agréable à Dieu? C'est ça là. On a l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force de la piété là, on renie ça. On n'a pas la parole. On ne veut pas marcher à la parole. On ne veut pas respecter la parole. Comme ce matin, je disais, quelqu'un vient dire, mais c'est Frère Franck qui a écrit que le pain là, on met l'huile, on met le sel. J'ai dit, bon, c'est pas bien grave. Prends-moi la Bible, donne-moi. Moi, je sais que je ne vais pas aller dans Genèse. Commençons par Exode, où le Seigneur a institué la Pâque là. Le pain de la Pâque là. Tu passes après d'Exode. Pour venir jusque dans le Nouveau Testament, il faut me donner les Écritures. Il ne faut pas m'expliquer. Parce que tu veux expliquer là, tu vas me donner ta pensée. Je n'ai pas besoin de ta pensée. J'ai besoin des Écritures pour comprendre. Si je lis les Écritures, je comprendrai. Il me prend Lévitique 4. Mais attends, Lévitique 4, ce que tu lis là, j'ai lu avant toi. Le conseil de Dieu là, je vais t'apporter le mien. Voilà mon conseil de Dieu. Tu vois dans quel état il se trouve? Moi, je l'ai depuis 78. Ça a été écrit en 64. Moi, je l'ai depuis 78. Quand je suis venu? Quand Bali m'a envoyé là. Le voilà, le premier que j'ai reçu, ça. Le voilà. Tu vois dans quel état il se trouve? Donc, je l'ai plus lu que toi. C'est pas que je le connais pas. Je l'ai lu. Mais, Frère Franck a dit, lisez les prédications et sondez les Écritures. Il n'y a pas de détail spirituel. C'est ce que moi je pratique. Mais tu ne vas pas me dire, parce que Frère Franck a écrit, je dois prendre ça. Je dis, ça là, que Frère Madame a écrit, ou Frère Franck a écrit, si je ne peux pas ramener ça dans les Écritures, je ne mange pas ça. Amen. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Je ne suis pas franquiste, je ne suis pas brandamiste. Je suis chrétien. Amen. Et mon point de base, mon absolu, c'est la Bible. Amen. C'est pas autre chose. Ce matin, il se permet de m'envoyer un SMS. Si tu considères que le corps de Christ, le Père, c'est le corps de Christ, tu comprendras pourquoi il lui a dit, si tu continues de m'écrire, je vais bloquer ton numéro. Faut que tu notes ça. Je vais bloquer ton numéro. Depuis, il n'a plus rien écrit. Je ne suis pas là, on n'est pas arrivé au point où il faut faire ceci. Non, on est arrivé au point où, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu as le Saint-Esprit, prie pour que j'ai aussi le Saint-Esprit. Alors, machin, ne m'aime pas. Si tu ne comprends pas ce que je comprends, alors il faut prier Dieu pour savoir ce que j'ai, pour que je ne comprenne pas comme toi. Mais tu ne peux pas m'imposer ce que tu crois. Ce n'est pas possible.
Frère, pourquoi notre adoration n'est pas aujourd'hui agréable à Dieu? Parce qu'on n'est pas sincère devant Dieu. On intervertit les rôles. On peut continuer encore? Comme le matin, je vous disais, je lis encore quelques-uns, Pierre le Seigneur. Malheur à vous. Il dit, conduit aveugle. On a déjà parlé de ça. Ouais, on est venu ici. Et vous négligez. Conduit aveugle. Qui élimine le moucheron et qui avale le chameau? Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Alors que dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Regardez les mots là. Hein. Moi, les mots là. Si vous voulez bien, le mot fidélité, miséricorde, justice. Je vais vous donner les mots qu'on a lus auparavant. Conducteur aveugle. Vous notez, vous arrivez là jusqu'à... Vous arrivez ici sur la justice, la miséricorde, la fidélité. Vous descendez jusqu'à... Vous voyez ici également la rapine et l'intempérance. Vous regardez ici comment l'extérieur est bien propre, alors que l'intérieur est rempli de n'importe quoi. Quand on voit l'extérieur, on dit que c'est des croyants. Mais si on pouvait fendre le cœur pour voir, ce n'est pas possible. Mais la parole de Dieu discerne les pensées et les sentiments de cœur. Et c'est pour ça que, frère, ce que l'apôtre Paul a dit là est réel. Hein. Ne connaissez personne selon la chair. C'est ça l'apparence. Connaissez les hommes selon l'esprit qui les anime. Par quel esprit marche-t-il? Il y a des gens qui feront de vous leurs amis parce qu'ils pensent tirer quelque chose de vous. Pas parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils pensent tirer quelque chose à leur profit. Et c'est pour ça que quand vous vous réunissez là, n'étant pas dans le même esprit, votre adoration ne peut pas être agréée. Et même à la maison, dans le foyer, laissons-nous revenir un peu là-dessus. Quand la femme et l'homme ne marchent pas dans les mêmes pas, comment voulez-vous que Dieu agrée leur prière? Et l'apôtre Pierre a dit, faites attention à cela. Homme, considère la femme comme d'un sexe faible. Et faites tout pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Faites tout pour savoir qu'elle est le seul doit hériter de la vie éternelle avec vous. Il y en a qui, à la maison, peuvent ne pas parler à leur femme pendant une semaine. Parce qu'elle a posé un acte. Au lieu de prier pour elle, et qu'il s'en sert pour parler, non, point du tout. Je dis à quelqu'un, vous savez, nous, notre ventre est très profond. C'est pas parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour ça. C'est pour qu'on puisse prier. Pour que la solution soit trouvée. Pour que Dieu fasse miséricorde. Pour que Dieu aide. C'est pour vous parler. C'est pour qu'on puisse parler à Dieu pour la personne concernée. S'il a eu confiance de lui te parler là, ce n'est pas pour tes oreilles. Hein. C'est pour que tu puisses parler à Dieu. Pour que Dieu puisse l'aider à revenir à lui pleinement. C'est ça qui est important. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup pensent que le fait d'être serviteur de Dieu. Et puis après ça se tourne. On te parle de Dieu, puis après ça se tourne dehors. On parle après ça se tourne dehors. On parle après ça se tourne dehors. Mais tu es quel serviteur de Dieu? Tu es quel conducteur? C'est pour ça que cette adoration-là, quand vous la menez, elle n'est pas agréée par Dieu. On peut peut-être encore regarder quelques éléments. Je ne sais pas. On va laisser le reste comme ça. Mais vous voyez, comme je disais ce matin, pour ceux qui étaient là le matin, vous lisez le verset 34, 35, 36, et où le Seigneur a dit que cette génération-là sera victime de tout le sang qui a été versé depuis Abel jusqu'à lui. Ils vont répondre. Cette génération va répondre. Et ils ont même dit, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Au lieu de dire sur nous seulement, il dit même sur les enfants. Oh, les enfants là, c'est de génération en génération. Hein. Quand tu tombes sur son, toi, ton fils, le fils de ton fils, le fils de ton fils de ton fils, ainsi de suite, ça va de génération en génération. Puis là, tu dis de tomber sur tes enfants. C'est pour ça que la Bible dit, les pécheurs là, jusqu'à la dixième génération, ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'adoration. 400 ans. 400 ans. Ils n'ont pas le droit. Donc, ils ne peuvent pas passer à l'adoration. Frère, les adorateurs dont le Père a besoin là, on va revenir là, tu vas revenir dans la tête de base tout de suite. De qui il a besoin? Il n'a pas besoin de n'importe quel adorateur. Hein. Il a besoin de ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Le mot est important. Les adorateurs dont le Père a besoin. Je vais le relire comme ça. Chaque fois, on va revenir là-dessus. Et que vous voyez bien pourquoi c'est important. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Non. Mais l'heure est venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là, ceux que le Père demande là, pour venir dans sa présence, pour l'adorer et qu'il agrée là. Ce sont ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas de n'importe qui. Et c'est important. Et j'ai fait ça pour vous donner un ensemble de qualités d'adorateurs. Pour vous montrer que ces hommes-là, quelque chose qu'on peut voir à l'apparence, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. J'étais même allé assez loin. Et puis, les faux adorateurs aveugles. Et c'est vrai. Prenons dans notre âge. L'âge de la Odyssée. On est dans l'âge de la Odyssée, non? Allons lire l'Apocalypse chapitre 3. Et puis, certainement, dimanche prochain, on va parler des vrais adorateurs. Pour le moment, on va parler de ceux qui adorent sans savoir ce qu'ils adorent. On va parler de ceux qui adorent sans savoir ce qu'ils adorent. Ils sont les adorateurs, mais ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Et puis, leur comportement, leur attitude, leur vie ne permet pas à Dieu de les agréer. On va parler de ceux-là seulement. Ce soir-là, on va parler seulement de ceux-là. Alors, dans Apocalypse chapitre 3, dans l'âge d'Odyssée, on va aller à peine verset 15. Et on va s'arrêter au verset 17. Je connais tes œuvres. Ah, frère, ça doit faire peur. Hein? Je connais tes œuvres. Tu n'as rien à me cacher. Tu n'as rien à m'apprendre. Je suis Dieu. Tous les actes que tu poses, moi je les connais. Donc tu n'as rien à me cacher. Tu peux les cacher aux autres. Tu peux faire croire aux autres ce que tu penses. Mais moi, l'Éternel, je connais ce que tu es, qui tu es, quels sont les actes que tu poses, comment tu vis. Je sais. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant, il y a un choix à faire là. Là, tu es tremblotant. Fais un choix. Ou tu dis tu es froid, ou tu es bouillant. C'est-à-dire, ou bien tu n'es pas un croyant, ou tu es un croyant. Donc, on me dit que tu es fanatique, c'est mieux. Qu'on dit que tu es fanatique. Comme quelqu'un a écrit, devant, il dit, moi, je suis fou de Christ. Et au-delà, il dit, toi, tu es fou de qui? Moi, si tu me vois là, quand je vais te parler, tu vas dire, je suis un fou. Oui, je suis fou, mais ma folie là, c'est de Christ. Mais de toi, de qui es-tu fou? Donc, il est un zélé. Il est zélé pour Dieu. Tout ce qu'il fait là, il le fait pour Dieu. Pas pour se montrer aux hommes, hein, mais le fait sincèrement dans son cœur pour Dieu.
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te fume de ma bouche. Voilà la gravité. Il ne peut pas t'avaler. Il ne peut pas te prendre en lui. Il ne peut pas marcher avec toi. Il t'a déjà rejeté. Ce qu'on vomit là, quand tu as mangé quelque chose, tu as vomi. Ton ventre ne peut pas. Ton corps rejette ça. Alors tu le vomis. C'est pas vrai. Ce que ton corps accepte là, il assimile ça. Et ça rentre dans ton corps. Ça t'apporte toutes les vitamines, tous les sels, les minéraux et tout. Mais lui dit, il va te vomir. Il va te mettre hors de lui. Parce que tu te dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es très malheureux. Tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà l'état de condition des croyants de cet âge-là dans lequel nous sommes. Quand vous observez, même nous qui sommes au message, est-ce que ces caractéristiques ne sont pas au milieu de nous? De la tête aux pieds. On n'est pas dedans. Frère, Dieu ne parle pas en vain. Mais à la fin, il dit, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc, du zèle, réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, je ne veux pas dire quelqu'un, toi qui assis là, tu entends la voix du Seigneur. Et si tu ouvres la porte, il entrera chez toi. Il soupira avec toi et toi tu soupiras avec lui. Malheureusement, tout le monde, cette petite partie du vin là, c'est ça qui nous manque, frère. Avant d'arriver au 21, le 21 encore c'est trop grave. Parce qu'il y en a qui ne vont même pas pouvoir vaincre. Vaincre, c'est avoir combattu. On ne peut pas vaincre sans avoir combattu. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Il y en a qui ne veulent pas se battre. Il y en a qui ne veulent pas montrer leur foi. Il y en a qui ne savent pas prendre une position ferme, définitive, réelle. Ils ne peuvent pas. Dieu n'a pas besoin de ces personnes-là. Dieu n'a pas besoin de cela. Pierre a dit, je les avoue même, est-ce qu'il est bon de désobéir à Dieu et de vous obéir, ou bien d'obéir à Dieu et de vous désobéir. Il dit, nous, on préfère obéir à Dieu et de vous désobéir. Parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Celui qui désobéit à la part de Dieu, là, il est aussi coupable que celui qui va consulter un devin. Alors, un tel homme-là, quelle que soit la prière qu'il fait, quel que soit le nombre de jeûnes qu'il fait, le nombre de jours de jeûnes qu'il fait, sa prière ne montrera jamais. Jamais. Il n'a qu'à passer son temps 40 jours. Frère, nous, on a vu, hein, j'ai dit qu'on va parler un peu de jeûne. Non, non, pas. Ce matin, quand j'étais à tout de penser à ça. Moi, j'ai vu des gens qui ont jeûné 21 jours, à plusieurs reprises, qui ont fait des songes extraordinaires, des visions extraordinaires. Mais on a dit à ces personnes-là, vos songes et vos visions ne sont pas de Dieu. Abandonnez et Dieu fera grâce. N'ont pas écouté. Il y avait des instituteurs, ils ont abandonné les études, ils veulent aller adorer Dieu. Ils veulent aller servir Dieu. Dieu les a appelés. Après avoir jeûné 21 jours, Dieu leur a mis l'épée dans la main. Frère, il ne faut pas le faire. Plus tard, ils ont été radiés, mais ils n'ont plus rien à manger. Et ils n'ont même pas d'église non plus. Ils n'ont pas converti qui que ce soit. Ils sont entrés dans le monde. C'est pour ça que je viens parler du jeûne. Pour voir quels sont les revers, comment je peux appeler ça, les avantages et les revers du jeûne. Parce que souvent là, le jeûne rend orgueilleux. Les gens deviennent orgueilleux après plusieurs jours de jeûne. Ils deviennent orgueilleux. Et il y en a qui deviennent tellement humbles après plusieurs jours de jeûne parce qu'ils passent vraiment dans la présence de Dieu. Les yeux le font. Pour se faire voir, oh, j'ai fait 40 jours de jeûne,
j'ai fait 30 jours de jeûne, j'ai fait 21 jours de jeûne. Oh, il y a le jeûne d'Esther, il y a le jeûne de Daniel. En fait, je ne sais pas tout ça là. À quoi ça sert? On parlera du jeûne. Nous, on n'a pas appris à jeûner. Quand on est venu au Seigneur, au message là, on n'a pas appris à jeûner. On a vu Frère Branham jeûne, il a jeûné. On a vu les résultats. Et on a vu un vieux frère qui a jeûné. Il y a un vrai serviteur de Dieu qui a passé son temps à jeûner. Et on a vu le résultat, on dit, ah, d'accord. Donc Dieu écoute alors. On va essayer aussi pour voir. Et puis on a essayé. Et puis on est allé dedans. Et puis on a compris qu'il faut d'abord mettre ça de côté, avant d'aller. Et quand on a mis ça de côté, et puis on a commencé à aller dedans, on a vu comment Dieu répond. De façon instantanée, tu ne réfléchis pas. Tu penses à une chose et tu vois ça devant toi. Ça monte, mais tu vois ça. C'est comme si toi et Dieu, là, vous êtes unis au point où, quand c'est monté, la réponse est donnée. Il dit, avant que tu ne parles, je t'ai déjà exaucé. Et ça, c'est une expérience qu'il faut faire avec Dieu. Tu n'as pas besoin de passer 3 heures à genoux. Hein? Non. Tu es tellement convenu avec lui que quand ça montait, tu n'as même pas le temps d'ouvrir ta bouche, la chose est devant toi. Mais on en parlera, le temps va venir, on en parlera. Pour que chacun de nous puisse savoir comment marcher simplement, dans la simplicité, dans la cachette, et dans la simplicité avec Dieu. Parce que c'est le temps. C'est vraiment le temps où chacun de nous doit être un vrai adorateur. Ne prenez pas ce message comme quelque chose de simple comme ça. Les adorateurs que le Père demande, les adorateurs que le Père lui-même demande là, ce sont ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est le Père qui demande. Hein. Ce n'est pas vous-même qui allez. Le Père demande ces sortes d'adorateurs. Il les recherche. C'est cela. On a commencé à quelle heure? À 14h, à 15h, non? Oui, ça, bientôt, on va faire 2 heures de temps. Pas bien grave. On a quand même chanté aussi un peu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et que tes vêtements aient des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Frère, regardez bien ici. Il n'a pas d'aller chercher, il dit de venir à lui pour acheter. Mais dans Ézéchiel, ça dit, sans argent, venez acheter et manger. Sans argent. Est-ce ici là, on peut acheter? On a d'argent pour acheter de l'or avec Dieu. On a d'argent pour acheter des vêtements avec Dieu. On n'a pas d'argent pour acheter. Ce que Dieu donne, ça va être d'argent matériel. Jésus a déjà payé. Amen. Venez. Par Christ, venez. Alors vous serez vêtus. Votre foi va être éprouvée, mais le résultat de votre foi, c'est le salut de vos âmes. Amen. On poursuit un peu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a un collier pour oindre tes yeux. De quel type de collier? Est-ce que dans la pharmacie on va lâcher? Non. Il y a un seul qui oint. C'est lui qui a la puissance pour te oindre. Pour ouvrir tes yeux pour voir. Quand le Saint-Esprit vient, tout ce que tu ne connais pas avant, tu le connais. Tout ce que tu ne comprends pas avant, tu comprends. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais pour le temps, vous ne pouvez pas les porter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes ces choses-là. Il les prendra de moi, il vous les révélera. Et quand le Saint-Esprit est venu, est-ce qu'il a donné des passages à Pierre, à la Pentecôte, là? Qui a donné les passages à Pierre? Les passages de Joël, les passages de Psaume concernant le fait que le Seigneur ne doit pas voir la corruption. Qui lui a donné ça? C'est le Saint-Esprit. Et il les a ordonnés selon les Écritures. Et son discours était tellement cohérent au point où les gens qui étaient venus
pour adorer à Jérusalem. Pas ça, la Pentecôte, les gens viennent adorer à la Pentecôte, à Jérusalem. C'est pas ça. Les gens qui étaient venus adorer ce jour-là sont venus adorer en masse. Tous les Juifs, les Hébreux qui ont vécu dans les pays d'Arabe, chez les Crétois, dans ceci, dans cela, et tous, ils sont là, à la Pentecôte. Et quand ça arrivait, il dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas des Galiléens. Ils ne vêtissent pas toute la Galilée. Ce n'est pas là-bas que Jésus les a choisis. Mais comment se fait-il qu'ils nous parlent dans notre propre langue maternelle? Nous, les Juifs qui avons grandi chez les Arabes, on est nés chez les Arabes, on nous parle l'arabe. Mais si on compare l'hébreu, même pas l'arabe. Chez les Crétois, on n'a vu que chez les Crétois, la Grèce, on parle la langue des Crétois. De la Pamphylie, on parle la langue. Si on a vu qu'à Rome, on parlait le romain. On a vu qu'en Italie, on parlait à quoi? L'italien. C'est pas ça. Mais comment se fait-il qu'on les entend parler dans notre langue maternelle? C'est eux qui parlent? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui a transmis le message là, dans la langue maternelle de chacun de ceux qui sont là. Il y en a qui n'ont pas compris. Hein. Vous allez voir, il y a deux personnes qui viennent de la même région, ayant la même langue, il y a un qui comprend, l'autre ne comprend pas. L'autre dit, oh, c'est les gens qui sont remplis de vin doux. Les autres disent, non. Homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Le choix est fait. Homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, mais répandez-vous seulement. Répandez-vous. Reconnaissez que vous avez été coupable. Que vous avez fait une chose sans faire attention. Et vos péchés vous seront pardonnés. Vos péchés vous seront remis. Et alors vous prenez votre baptême. Et la promesse du Père vous sera aussi accordée. Comme nous on l'a reçu, vous aussi ça sera pour vous. Mais pas pour vous seulement. Pour vos enfants aussi. Et pour ceux qui sont au loin. Le nombre ne compte pas. Parce que Dieu est capable de multiplier son esprit sur tout le monde. Frère, quand on lit, on voit que même l'âge de Laodicée a des problèmes. C'est pour ça que quand on regarde le dessin de l'âge de Laodicée là, on voit que l'obscurité est plus grande, la lumière est toute petite. Pourtant, regardez bien, pourtant, il y a une chose qui est très importante que vous devez regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Que nous devons retenir à la foi de nos pères apostoliques. C'est pas ce qui a été dit. Nous devons retenir à nos pères apostoliques là. Ce qui veut dire autant des apôtres là, la lumière était grande. Pourtant, ils n'étaient pas très nombreux. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de prédicateurs du message. Dites-moi un pays où il n'y a pas le message. Je n'ai pas encore parcouru toute la terre pour savoir tous les pays. Mais au dit de Frère Franck, chez les Arabes, chez tout le monde, le message est passé là. Il y a combien de nations même sur la terre? Monsieur le diplomate. 193. En 2008, Frère Franck avait déjà fait 144 pays. Il restait combien pour faire les 193? En 88, il avait déjà fait 184 pays. Non, en 2008, il avait déjà fait 144 pays. C'est 193. Si c'est 193. Il y a eu de micros états indépendants, on est à 197. Voilà. Mais donc, normalement, la lumière là doit être grande. Donc, vous voyez que entre 197 et après, c'est la fête d'autres pays encore. Hein. Mais je reste avec les 144 là. Entre 197, il reste combien? 53. 53 nations seulement qu'il n'a pas encore visité. Et non, dans 149, il y a les croyants. Si c'était tous des vrais croyants, marchant sur la vérité comme au temps des apôtres, mais la lumière devait être grande. Malheureusement, la lumière est petite, toute petite, parce que prête à s'éteindre. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quoi que Dieu ait fait, quoi que beaucoup soient venus, ils sont restés dans la religion. Ils n'ont pas compris le sens du message. On mélange la religion avec nos traditions. On mélange la religion, on mélange le message avec nos traditions plutôt. On mélange le message avec la religion dans laquelle on est sorti. On mélange l'argent avec tout. C'est pour ça qu'on n'est ni froid, ni bouillant. C'est pour ça qu'on est nu, on est pauvre, on est aveugle, on est malheureux. Et on ne sait pas pourquoi on est malheureux. Vous savez, quand quelqu'un il est malheureux, qu'il sent qu'il est malheureux, il peut faire une effort pour sortir de sa condition. Mais quand quelqu'un ne sait pas qu'il est nu, il ne va pas faire une effort pour aller s'habiller. Est-ce un fou qui est né fait une fois par les alliés? Non. Il est dans sa condition, il est content. C'est comme ça qu'il est. Voilà la condition dans laquelle se trouvent nos églises, malheureusement. Si je prends le cas de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je dis que je connais mieux. Je dis, mais combien de personnes pourront participer à l'enlèvement? Moi, il me pose des questions. Hein. Ça va devenir aujourd'hui. Combien de personnes Dieu va enlever au milieu de nous ici? Souvent, je dis, les frères qui nous ont dévancés, je dis, hey, je vous envie. Je connais des frères qui sont morts vraiment dans la foi. Je les connais. Ils sont morts dans la foi. On a vu des frères morts dans la foi, je les connais. Il y en a qui sont morts, et puis on dit, c'est des frères. Ça aussi, je les connais. C'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de difficultés de dire, tel frère est mort là, c'est un frère. Je n'ai pas se reposer. J'ai beaucoup de difficultés. Je ne juge pas. Mais pour ce que je crois savoir, s'il n'a pas mis de l'ordre correctement devant Dieu avant de partir, sachez que c'est difficile. Si le témoignage là n'a pas été rectifié avant, c'est un problème. Vous vous souvenez bien, ceux qui sont partis à Siguenci, au décès de frère Olivier, qu'est-ce que Isaïe a dit? À la dernière heure, avant que le frère ne meure, que s'est passé entre lui et sa femme? C'est là que un problème a été réglé. Un problème qui date depuis des années. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais à ce qu'ainsi. La femme que vous avez vue là, elle ne venait plus à l'église. Oui, son mari est décédé. Elle ne venait pas à l'église. Et ce jour, j'arrive, d'après son témoignage. C'est pour ça que maintenant, là, je suis obligé d'enregistrer beaucoup de choses. Parce qu'après, quand tu poses la question à des frères, non, je ne me souviens pas. Maintenant, là, partout où je vais, si quelqu'un arrive là pour parler, je vais enregistrer. Parce que les faits sont des faits. Pour les juristes, c'est sur la base des faits qu'on parle. Les faits sont têtus. Et on ne peut pas continuer les faits. Et d'après son témoignage, ce jour-là, une voix lui dit, va à l'église. Va à l'église. Va à l'église. Et puis elle est à l'église. Quand on a fait le culte, j'étais avec Esaïe, dans son bureau, quand elle est venue. Esaïe dit, ah, c'est la femme de frère Olivier. J'ai dit, ah, soeur, que Dieu te bénisse. Elle dit, je suis venu te voir. Non, mais le frère, où est ton mari? Appelle ton mari. Je suis venu. Il dit, les frères savent que depuis un certain temps, je ne vais pas à l'église. Mais ce matin, une fois, il me dit, viens, va à l'église. Va à l'église. Je suis venu à l'église. Je suis venu pour exposer mon problème que tu prie pour moi. Elle expose son problème. Et puis, j'ai prié pour elle. J'ai dit, frère, prie ensemble. Je ne sais pas exclure les gens. Moi, il ne sait pas exclure les gens. Les gens vont venir me voir moi si j'ai des frères qui sont des serviteurs de Dieu. On va être ensemble. Je ne sais pas exclure les gens. Sinon, là, quand je priais pour les malades, là, je pouvais le faire seul. Mais il ne sait pas exclure les gens. C'est vrai que j'ai associé les frères avec moi. Non, on a prié pour elle. Tranquillement. Et puis le mal dont elle souffre. Et les gens pour lesquels elle ne veut pas à l'église, là. Ça a arrêté. Elle a connu venir à l'église. Jusqu'à ce que son mari meure.
Mais un problème avec son mari est resté là pendant des années. Il a fallu à la dernière heure, son mari doit partir pour que ce soit réglé. Frère, je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu a fait de cette relation pendant tout ce temps? Qu'est-ce que Dieu a fait de ce foyer-là pendant tout ce temps? Je sais que c'est enregistré. Hein? Demain, on m'interrogera et je répondrai. Moi, les choses dont je parle là, je suis capable de répondre. C'est pas que je le pose la question, je le dis. Son frère, son mari, était un serviteur dans l'église. C'est la deuxième personne dans l'église. Mais les choses sont restées cachées jusqu'à la dernière heure. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que Dieu a pensé de leur relation, de foyer? Supposez un seul instant que la parole lui avait été arrachée. Il n'était plus capable de parler. Comment aurait-il été capable de demander pardon à cet instant-là, avant de mourir? Vous voyez ce que la Bible dit? De nous qui sommes de Laodicée, on est riche, on connaît tout, on a tout, on est bien. Mais devant Dieu, nous sommes nus. Nous sommes aveugles. Devant Dieu là, nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas capables de rentrer en possession du grand héritage qu'il a mis à notre disposition en cette fin des temps. Nous faisons comme les pharisiens hypocrites. Nous partons chercher des croyants et quand ils arrivent là, on en fait des gens comme Caïn. On remplit le cœur de haine des autres. C'est ce qu'on leur enseigne. On dit à un frère, oh je t'aime. Alors que dès qu'on sort, c'est autre chose qu'on dit de lui. Est-ce que Dieu n'entend pas au-dessus du ciel? Dieu ne voit pas ça. Il dit, je connais tes œuvres. Tes œuvres là. Devant les autres, c'est beau. Mais moi, je connais tes œuvres. Je sais qui tu es. Comment tu es. Où tu dors là, je le sais. Bien-aimé, craignons Dieu. Les adorateurs dont le Père a besoin, le Père demande là, ce sont ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est cela que le Père demande. Pourquoi? Parce que lui, il est esprit. Le Père est esprit. Et il ne peut pas accepter que les gens viennent dans la chair pour l'adorer. Vous savez bien que quand il a créé l'homme, il a créé esprit, à son image. C'est cette chair-là qui a fait que l'homme est tombé. C'est cette chair dans laquelle nous sommes là qui nous a fait tomber. Mais aussi longtemps qu'il était en esprit, il était tombé où ça? Non. Mais quand Dieu l'a formé un corps et qu'il a tiré de son côté sa chérie, donc, j'ai écrit tout ça là, hein. J'ai noté plein de choses là-dessus. Je dis, on va revenir. Je ne sais pas si c'est dans ce message ou dans l'autre message, mais je suis là dans la Genèse pour regarder correctement qu'est-ce qui s'est passé entre Ève. Ça doit être dans l'autre. La transformation de l'intelligence. Parce que je ne vois pas le verset ici. Donc ça doit être de l'autre côté. C'est pas de l'autre côté. Frère, voilà la condition de l'église, de Laodicée, des membres appartenant à l'âge de Laodicée. Je dis bien, regardez bien, c'est l'âge de Laodicée. On dit l'église de Laodicée, mais ça à l'église, oui, l'église à l'âge de l'église de Laodicée. Ceux qui appartiennent à l'église de Laodicée, pas à l'église de Christ, à l'église de Laodicée. Pas à l'église de Christ, hein, à l'église de Laodicée là. Dedans, il va y avoir deux groupes. À la fin, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, il y en a qui ne vont pas entendre. Il y en a qui vont entendre. J'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, tout le monde ne verra pas. Hein. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, qu'il entende aussi. Tout le monde n'entend pas. Beaucoup ont des oreilles, mais n'entendent pas. Moi, pour ce moment, je vais lire encore un verset. Et puis, je vais vous donner encore un autre adorateur. Un seulement. Vous allez voir. Alors, dans Actes, chapitre 8. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Prenez Actes chapitre 8. Moi, il y a peut-être verset 26. Vous y êtes? Je vais lire. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se levait parti, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour vendre, pour marchander, pour adorer. Il est venu pour adorer. On a déjà défini le mot adorer. Hein. Il est venu pour adorer. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Et il a fini et s'en va. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. Il ne fait pas autre chose. Hein. Il lit bien la parole de Dieu. C'est pas vrai? Oh! Sur son char, le porteur du char, le conducteur du char devait savoir, mais son maître est instruit. C'est vraiment quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il le livre vraiment. C'est bien ça. On a fini d'adorer, on s'en va, et puis il lit. Et puis il lit Esaïe. Il doit être content de voir son patron être un grand érudit. Mais devant Dieu, il est nul. Il ne connaît rien. Et Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu l'aime tellement. Il n'est pas le seul qui est venu adorer à Jérusalem. Hein. Ils ont dû être beaucoup. Mais lui en particulier, Dieu l'aime. Comme Dieu vous aime. Amen. Comme Dieu m'aime. Amen. Comme Dieu nous aime. Amen. Et il va envoyer, il va dépêcher l'un de ses serviteurs qui a fait beaucoup de miracles en Samarie. Qui a converti un bon nombre de personnes en Samarie. Et que Pierre et Jean sont venus imposer les mains sur le Saint-Esprit. C'est cet homme-là que Dieu prend pour aller rencontrer ce riche homme, mais qui est un eunuque. Il n'a pas de semence. Il est eunuque. Assis sur son char, lisant, il lisait le prophète Esaïe. L'esprit de Philippe avance. Et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. On dit bien l'Éthiopien, mais c'est un juif. Éthiopien. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Si c'est aujourd'hui, tu cours pour aller dans la voiture de quelqu'un dans tes lits, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il va te dire, tu es mon maître? Mais quand Dieu envoie quelqu'un, il prépare le cœur pour le recevoir. Amen. C'est pour ça que ne vous laissez pas effrayer par Dieu m'a dit, Dieu a mis sur mon cœur, Dieu m'a dit, Dieu a mis sur mon cœur. Si Dieu lui a parlé, quand il va arriver chez toi là, le même Dieu là, si tu es un chrétien, sache qu'avant qu'il n'arrive, tu seras averti. Amen. Tu seras prévenu. Tu sauras de quoi les questions. Moi, il m'est arrivé, il y a des gens qui arrivent chez moi et puis.
Ils sont désassommés. Je dis, mais tu as répété. C'est pas pour ça que tu viens. La personne ne peut plus parler. Elle était avec lui quand il a quitté chez lui. Mais aussi, Dieu sait pourquoi tu viens. Pour ne pas te fatiguer, il te dévance. Pour que tu aies le courage de ne pas dire autre chose. Pour que tu dis, tu as tout droit. C'est tout. On poursuit. Il répondit, comment le pourrais-je? Écoutez bien, frères et sœurs. Voilà quelqu'un qui, des années durant, va adorer à Jérusalem. Il sait même lire. Et il lit. Il sait même lire et il lit. Et on lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? On peut lire sans comprendre. J'ai fait cette expérience avec l'église d'Abidjan. Vous savez bien, quand j'ai commencé à lire les circulaires à la chair, c'est là que beaucoup ont dit, mes frères, c'est maintenant qu'on comprend ce qui est écrit dans ces lettres circulaires. Mais ils ont dit pendant des années. C'est quand j'ai commencé par lire la lettre circulaire de 72 concernant l'organisation, le ministère, les charges. Oh, il y en a qui sont assis dessus. Ah, un ancien, il est intouchable. Oh, un ancien, il est intouchable. Oh, un ancien, ceci. Un ancien, ceci. Mais auparavant, ils ne savaient pas. Quand je leur ai lu et que j'ai pris le message avec pas plus de jugement pour définir les charges, les ministères et tout, alors il y en a qui ont compris et depuis ce jour-là, tous sont devenus des docteurs. Mais avant, ils lisaient, ils ne comprenaient pas. Pourtant, ils lisaient. Pourtant, ils lisaient, hein, mais ils ne comprenaient pas. On a le même problème aujourd'hui. Le problème de la peine, le peine de la cesse, on a le même problème. On a le même problème. Et il y en a beaucoup comme ça. On lit, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on n'a pas le même esprit. Ceux qui ont l'esprit de Dieu comprennent la pensée de Dieu. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Mais attends. Toi, l'intendant, le gérant, le superintendant de la reine d'Éthiopie qui va à Jérusalem. Mais tu es avec tous les docteurs de la loi. Tous les pharisiens sont à tes pieds. Tous les scribes sont à tes pieds. Et tu vas chaque fois. Pourquoi tu ne l'as pas demandé, mais de qui on parle ici? Tu aurais pu leur demander de qui on parle ici. Mais il ne connaît pas. On le lit à lui pendant tout le temps. Vous savez ce qu'on a dit? On dit, au temps de Paul, là, quand Paul a dit, tous les sabbats, on lit Moïse. C'est pas ce que Paul a dit? Tous les sabbats, on lit Moïse. On lit les prophètes. Mais le peuple ne comprend rien. La preuve n'est que quand les mains sont arrivées. Quand le Seigneur est né. Que les mages ont vu son étoile en Orient, qui sont venus. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé au roi. Ils disent, ah nous on a vu que le roi des Juifs est né. On a vu son étoile, ils sont venus pour l'adorer. Panique à bord. Ils ont dit, panique à bord. On fait venir, c'est un émoi dans tout Jérusalem. C'est un émoi. Chez les docteurs de la loi, chez les scribes, chez les pharisiens, chez les sadduciens. C'est un émoi. Mais le roi est né. C'est un émoi chez tout le monde. Mais appelez-les. Oui, c'est vrai. Il est écrit que c'est à Bethléem. De Judas. Voilà ce qu'il dit. Toi, de toi sortira le roi. Ça doit être là-bas. Mais dites-moi. Qu'elles ont dit, est-ce qu'ils sont levés pour aller voir ce qu'ils ont dit? Aucun ne s'est déplacé. Aucun ne s'est levé pour aller. Ils avaient seulement l'intellectualisme. Ils sont intellectuels. Ils avaient Moïse. Ils avaient les prophètes. C'est l'intellect. Parce que si on dit le roi des Juifs est né,
des gens qui viennent de l'Orient, ils viennent vous dire le roi des Juifs est né, et que le roi vous appelle, et qu'il vous demande, et que vous dites c'est à Bethléem, qu'est-ce que vous devez faire vous? Ah oui, vous devez être les premiers à vous joindre à ces matchs pour dire, allons voir ce que vous avez dit est vrai. Mais personne n'est parti. Dès que les maîtres sont sortis, l'étoile s'est présentée encore devant eux. Et l'étoile les a conduits jusque là où est né l'enfant et couché. Dès que sont arrivés, l'étoile s'est arrêtée là. Oh, frère, vous voyez comment l'étoile marche? Une étoile qui marche avec les humains de la terre. Une étoile qui marche. Une étoile typique, une étoile spécifique, une étoile spéciale. Dans le ciel, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Mais il y a une qui se joue à une des pieds, qui a guidé, a marché, conduit les gens de l'Orient jusqu'à Bethléem. Et dès qu'il est arrivé, où se trouve l'enfant à la net, il s'est arrêté. Pour lui dire, c'est ici. Rentrez là, c'est ici. Il est là-bas. Oh, il est bon de marcher avec Dieu. Hein? Il est tellement beau de marcher avec Dieu. Et vous allez voir que leur adoration est pure. Quand ils sont rentrés là, ils se sont réjouis de voir l'enfant. Et ils sont sortis d'un trésor, de l'or, d'encens et de la myrrhe. Ils étaient tellement heureux. En quittant là-bas, ils ont pris tout ce qui caractérise cet enfant-là. L'or pour dire qu'il est roi. L'encens pour dire qu'il est souverain sacrificateur. Et la myrrhe pour dire qu'il va mourir. Et qu'on aura besoin de l'embaumer. Eux, qui ne lisaient pas la loi, qui ne lisaient pas les prophètes, eux, à Dieu s'est révélé à eux. Mais eux, ceux qui lisaient la loi, les prophètes tous les jours, qui étaient dans le temple, qui vendaient même les pigeons dedans, qui faisaient du commerce dans le temple, rien ne leur a été montré. Ce qui veut dire que dans le temple-là, leur adoration n'était pas agréable à Dieu. Mais ceux-là, quand ils sont arrivés, Dieu a agréé leur adoration. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour apporter ce qu'il fallait. Ils n'ont rien ajouté de plus que ce qu'il faut pour adorer cet enfant. Un enfant qu'on vient adorer. Vous voulez qu'on le lise, qu'il a été adoré, non? Qu'on le lise, non? On va le lire. C'est dans Luc. On n'a pas fini avec le Luc, mais revenons. Dans Luc. Quand c'est dans Luc 2, si je ne me trompe pas. Est-ce dans Luc ou dans Matthieu? Ça doit être dans Matthieu normalement. Donc, parce que dans Luc, on n'a parlé que de sa naissance, de sa présentation au temple. C'est Marc. Matthieu 2. Oui, c'est dans Matthieu 2. Je vais aller un peu plus vite. Au verset 2 dit, et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et vous allez voir, quand ils sont arrivés là-bas, maintenant il dit, après avoir entendu ça, c'est l'étoile et l'étoile qu'il avait vue en Orient allaient devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande, très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils adorent un enfant, un bébé qui vient de naître, qui est encore dans les bras de sa mère. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient le pays par un autre chemin.
ils ont adoré. Mais ceux qui sont dans le temple tous les jours, qui sont des docteurs, qui sont des scribes, personne n'a adoré. Personne ne lui a offert quoi que ce soit. Ils ne l'ont même pas reconnu. Ils l'ont connu comme le chef des démons, Belzébul. Voilà de quoi on l'a qualifié. Frères, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que la suite de la réponse, la suite de la question, qui sommes-nous et qui adorons-nous? Qui sommes-nous et qui adorons-nous? Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, notre adoration, on ne peut pas savoir qui nous adorons aussi. Parce que le Père demande des adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit en vérité. Et je vous ai dit, les vrais adorateurs, là, on en parlera, mais je vous ai dit déjà, il faut d'abord être en Christ pour avoir une adoration parfaite. Ce soir, là, on appelle seulement des faux adorateurs et j'ai fait juste un clin d'œil sur ces gens qui sont venus de l'Orient pour adorer celui que nous adorons aujourd'hui, que nous prétendons adorer. Ils étaient réjouis. Ils étaient conduits par un objet, une créature du Dieu vivant. Ils ont été conduits par une créature du Dieu vivant. Mais nous devons être conduits par qui? Par l'Esprit du Dieu vivant. Et ils ont été conduits par quelque chose que Dieu a créé. Un élément de la nature qui a marché devant eux. Depuis leur pays jusqu'au lieu où se trouvait cet enfant qui est le roi. Le roi des rois. Celui que nous allons couronner, roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Oh là là, c'est bon, hein? Mais qui sommes-nous? Et quel type d'adoration offrons-nous? Donc on était dans Acte 8, non? On n'avait pas fini dans Acte et puis on est parti là-bas. Donc on revient dans Acte 8 là. Et puis on va terminer ici. On a lu le verset 27, on est arrivé à quel verset? Parce qu'on a lu qu'au verset 33. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité, qui la dépeindra, a été levée. C'est ça, non? Oui. Dans son humiliation, son jugement a été levé. On l'a levé, son jugement. Dieu ne l'a pas condamné. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Peut-être le lisait, peut-être chaque fois qu'il vient adorer et qu'il part, il lit ce passage certainement, mais ce jour-là, il fallait qu'il lise ce passage pour qu'il en reçoive la connaissance, la compréhension. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, c'est pas Philippe qui a dit, hein. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Oh là là, quelle belle révélation. Quand on lui a expliqué qui c'était, il a compris que c'est le Fils de Dieu et c'est celui qui est venu racheter le perdu, dont lui.
il va comprendre que désormais, tout le parcours qu'il faisait, il allait, il venait chaque année, il allait et venait là. Mais son adoration n'était pas agréable à Dieu. Il voyageait, il venait. Pendant tout ce temps-là, son adoration n'était pas agréable à Dieu. Regardez bien, frère. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur a vécu sur la terre. Il a prêché pendant. Les disciples étaient avec lui. Ce n'est pas la seule Pentecôte. Hein. Peut-être que ce n'est pas la seule Pâque. Peut-être pas la seule fête. Il est venu, il est parti. Jusqu'à ce que le Seigneur meure. Il ressuscite. Il monte au ciel. Il fait des gens le Saint-Esprit. Et que les gens commencent à apporter la parole. Pour que lui aussi, la parole lui parvienne. C'est après ça que la parole lui est parvenue. Non, tout le temps, il a fait le voyage là. Tout le temps. Son adoration n'était pas agréable à Dieu. Mais désormais, il sait comment adorer. Et son adoration sera agréable. Quand il va rentrer chez lui, sa manière de prier va changer. Parce que ce n'est pas comme on le lui a appris. C'est comme Dieu le voudra qu'il le fasse. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que maintenant il va prier. Frère, qui sommes-nous? Et quelle forme d'adoration avons-nous? Si nous adorons comme ceux qu'on a vus là, prenons garde à nous-mêmes. Dimanche prochain, on va parler de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelles sont les caractéristiques? Pour qu'on sache, nous aussi adorer. Parce qu'il y a encore d'autres personnes pour aller dans Jérémie. Vous pouvez dans Jérémie 7, notez ça pour lire Jérémie 7, 2 à 4, 8, 10, 18, Jérémie 44, 15, 19. Vous allez voir qu'il y a des femmes aussi qui adoraient. Ils adoraient la reine du ciel. Ils faisaient des gâteaux pour la reine du ciel. Leur mari, quand Jérémie s'est prédit, est-ce que c'est sans l'accord de mari qu'on a fait des gâteaux pour la reine du ciel? Des juifs, des hébreux. Et leur mari autorise qu'elles adorent un autre Dieu, une déesse païenne. Est-ce que en Dieu, il y a une femme qu'on adore? Non. Abraham a-t-il adoré une déesse? Jacob a-t-il adoré une déesse? Isaac a-t-il adoré une déesse? Joseph l'a-t-il fait? Moïse a-t-il rencontré une déesse dans le désert? Malgré tout, elles sont revenues à l'adoration païenne des Égyptiens. C'est comme nous, dans le message là, on peut revenir à l'adoration païenne des religions à laquelle on était auparavant. Et laisser ce que Dieu nous a montré en ces fins de temps là. Comment on doit marcher là? On va laisser ça pour marcher comme la religion nous a appris. La religion nous a tellement impacté, malaxé, transformé, qu'elle est collée à notre peau, elle est collée à notre âme. Il est difficile de nous détacher de la religion. On fait tout, mais la gente nous a attrapés, nous a liés à son. Il a lié nos pieds et nos mains. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il nous fasse grâce. Afin que notre adoration soit agréable. Lisez ces passages dimanche prochain, on va terminer, puis rapidement terminer, c'est rentrer dans ce qui nous concerne. Pour voir comment faire pour que notre adoration soit agréable à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand tu reviendras, ton vêtement sera-t-il pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Alléluia. Maranatha, alléluia.
Maranatha, alléluia. Jésus vient. Jésus vient et son festin est préparé. Oh oui, pour cela. Pour cela pourrais-tu renoncer au monde sans plaisir? Oui, marches-tu? Marches-tu dans la lumière? Es-tu prêt pour l'accueillir? Si tu n'es pas encore libre, si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te dit viens. Car c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. L'État mondial nous révèle aussi que Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, ta délivrance viendra d'en haut. Dans les ténèbres profondes brilla l'étoile du matin. Car c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Alléluia. Maranatha, alléluia. Alléluia. Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Oui, Jésus vient. Passer seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création. Là je pourrai rencontrer Jésus, mon roi et tous les saints. Oui, c'est l'instant d'être prêt. Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Maranatha, alléluia. Jésus vient. Jésus vient et son festin est préparé. Léon, tu as prié pour nous. Quand tu n'as pas chanté, tu réfléchissais beaucoup. Maintenant, tu peux prier pour nous. Prier pour ce que nous avons entendu. Prier pour chacun de nous. Pour que le Seigneur nous prépare lui-même à être des adorateurs comme lui-même le demande. Et puis,
tu pourras mettre aussi fin à la réunion. Bien-aimé Père Soulège, je réfléchissais en moi-même, pensant à ce trajet de l'Éthiopie jusqu'en Israël. Oui. Pendant des années pour aller adorer, sans rien comprendre. Quelle misère, quelle détresse. Oh, je pensais à ma condition, à la condition de chacun. Sur ces routes. Oui. Mais ayant dans son cœur le désir d'adorer. Ce désir qui le portait chaque fois de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Je pensais à cette attitude où nous, revenant de l'église, on s'entretient des problèmes de la vie, mais lui préoccupé par les Écritures. Désirant comprendre. Et cela me donnait à réfléchir. Mais gloire te soit rendue. Amen. 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 Parce que tu as dépêché spécialement Philippe. Oui. Oh, quel privilège. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant ait pensé à lui ce matin-là. Oui, c'est vrai. Pour mandater un serviteur spécial. Seigneur, souviens-toi de Amen. Toi. Amen. Amen. Oui, Amen. Souviens-toi de mon frère. Amen. Souviens-toi de ma soeur. Amen. Oh Dieu. Oh oui, c'est vrai. Parce que le temps est venu. Oui. Amen. Nous le sentons. Nous n'arrivons pas, mais nous le sentons. Amen. Que le temps est venu. Où nous devons adorer en esprit, en vérité. Mais, comme cet homme le disait, si personne ne nous explique, comment allons-nous comprendre ce Dieu. Jésus. Si le Saint-Esprit ne vient pas pour nous conduire dans toute la vérité, comment allons-nous comprendre ces choses? Nous allons encore remplir notre intellect. Oui. Nous allons encore remplir notre connaissance. Nous allons améliorer notre religion. Oui, c'est vrai. Mais la vie ne va pas suivre. Non. Cela nous demandons ta grâce. Oh Dieu. Comme tu t'es souvenu de lui. Oui, souviens-toi de nous. Oh, souviens-toi de chacun. Amen. 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 Souviens-toi de chacun. Oh Dieu. Je pensais à l'histoire de ce frère. Ou que ce soit la veille de son départ que de l'ordre soit mis. Oh, quelle est ma condition? Quelle est la condition de chaque frère? Oh, Dieu. Nous qui prétendons venir adorer. Seigneur, souviens-toi de nous. En rentrant, souviens-toi de nous. Oui, c'est vrai. Puisque c'est en rentrant que tu t'es souvenu de lui. Oui, c'est vrai. Souviens-toi de chacun. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Raccompagne-nous simplement en paix. Oui. Amen. Et que ces paroles apportent la vie dans nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. De sorte que revenant, nous puissions revenir comme les mages. Amen. Alléluia. L'un n'est plus au discours. Non. L'un n'est plus à la comparaison. Non. L'un n'est plus à je pense que. Non. Le temps est venu. Oh oui. Fais-nous grâce. Amen. Comme tu lui as fait grâce. Oui. Laisse-nous simplement entrer en paix. Oui. Préoccupé comme il était. Oui. Amen. Sois avec nous pour le reste de la semaine. Oui, c'est vrai. Que nous trouvions nos maisons en paix. Bénis encore cette maison. Oui. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Amen. Utilise-le comme tu l'as fait avec Philippe. Amen. Afin que le résultat soit le même. Amen.
Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus, mon sauveur, amen. Alléluia. T'es pas à ma voix. En bénissant. En bénissant d'autres maîtres. Alléluia. Ne m'oublie pas. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Arrête, Seigneur, t'es pas à ma croix. En bénissant, en bénissant d'autres maîtres. Alléluia, ne m'oublie pas. Chose bonne. Amen. C'est vrai, ton fils nous a déjà congédié. Mais je te prie pour chaque de nous. Je te prie pour que, Seigneur, dans nos maisons, tu sois présent. Amen. Dans notre vie, tu sois présent. Amen. Dans nos lieux de travail, tu sois présent. Amen. Afin que partout, partout, nous puissions être des adorateurs. Alléluia. Que le Père demande. Seigneur, fais de nous. Nous pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais toi, tu peux le faire. Oh, notre Dieu. Si tu envoies les mages depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem, parce que là, il y avait un objet d'adoration. Un vrai. Il y a beaucoup d'objets d'adoration, mais c'est là, il se trouvait l'objet d'adoration principal. Oh, ils étaient réjouis. De voir que la nature les a conduits. Ta main les a accompagnés. Tu les as protégés. La preuve n'est qu'à la fin, tu ne leur as pas permis de retourner chez le roi Hérode. Mais tu les as divinement avertis pour qu'ils rentrent chez eux sans passer à Jérusalem. Oh, tu, combien de fois tu es bon. Quand tu conduis, tout est parfait. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Oh, conduis-nous. Tiens chacun de nous par la main, conduis-nous. Amen. Conduis-nous Amen. Simplement. Nous voulons marcher dans la simplicité Amen. Avec toi. Ordonne-nous que l'orgueil, Amen. La fierté, Amen. La méchanceté, Amen. La dissimulation, Amen. L'indifférence, Amen. Que ces choses soient ôtées. Amen. Seigneur, fais que Père,
notre adoration soit sincère et véritable devant toi. Merci de ce que tu as appelé chacun de nous. Tu as interpellé indirectement chacun de nous. Moi, le premier. Oh, tu sais, j'avais la tête basse, pensant, comme ton fils l'a dit, à ce qui s'est passé entre Olivier et sa femme. Je pensais. Et je fais ce que je devais faire. Et je marchais avec elle comme je devais marcher. Ou y avait-il quelque chose avant qu'elle ne parte? Mais je sais que tu as tout fait comme tu le veux. Tu avais tout mis en ordre avant. Oui, c'est vrai. Que tu sois loué. Que tu sois magnifié, exalté. Tu sois célébré. Oh, des moments comme ça sont doux. C'est comme pour on dit, c'est un moment, un doux moment de prière. Un doux moment de consécration. Oh, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu parfait. Tu es un Dieu miséricordieux. Il n'y a personne qui soit comme toi. Oui, il a dit, ce jour-là, tu as pensé spécialement à cet eunuque. Pas à quelqu'un d'autre, mais à lui. Parce que tu connaissais son cœur. Tu savais ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. Et tu as comblé son désir en dépêchant un de tes serviteurs spécialement. Pour lui seul. Pas pour un groupe. Mais pour lui seul. Aller sur la route désert où la mort pouvait le trouver. Mais ton ange l'accompagnait. Tu tenais à l'écart tout ce qui pouvait s'en prendre à sa vie. Parce qu'il était sur le champ de mission. Il était en route pour une mission spéciale. Parce que l'un de tes enfants rentrait. Oh, notre dans ce pays. Il fallait que, Seigneur, tout soit en ordre. Parce qu'on n'a pas vu la suite. Mais qui sait s'il a vécu encore longtemps après t'avoir rencontré. Toi, tu le sais. Aussi, garde-nous. Garde-nous. Garde chacun de nous. Et fais de chacun de nous des flammes de feu. Alléluia. Pour porter en ces bas lieux la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sois le Messie glorifié. Sois exalté, célébré au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.